Bonjour les pioupiou. Eh ben aujourd'hui nous voici avec le Bismarck de Hachette. Cette belle maquette, ce cuirassé hors norme des années 40. Donc nous allons faire le numéro 60. En l'occurrence le numéro 60 c'est... comment dire ? Alors numéro 60, voilà. Je vais vous mettre dans ce sens-là, ça ira peut-être mieux. Numéro 60. Alors numéro 60, c'est la section inférieure droite de la coque. Et on a une plaque prédécoupée. C'est une petite passerelle qui se trouve sous la passerelle amiral et sur l'arrière. Voilà, donc à plier et un petit peu, tout petit peu de collage. Voilà, et ici. Voilà. Et quand on aura terminé, ben encore un petit avancement sur la grosse structure du navire. Voilà, alors dans ce fascicule, nous avons le retour du Bismarck à Hambourg. Ça, c'est quand il a fait ses premiers essais. Donc en mer Baltique, si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus trop. Donc là, c'est le ravitaillement. Le nombre de personnes qu'il y avait à l'intérieur, je suppose qu'ils avaient besoin énormément de boire et manger. Là c'est les avions britanniques, un des avions qui a coulé le Bismarck, enfin qui a contribué à la fin du Bismarck. Voilà, bon, belle photo, hein, photo d'époque, photo magnifique. Ici c'est un autre bateau, je ne sais plus trop. Faudrait lire. De toute façon, il faudrait que je vous refasse à l'occasion peut-être par rapport à une petite vidéo avec tous les petits trucs sur le Bismarck. Le Nevada, le fameux bateau qui a été, je crois que c'est lui d'ailleurs qui est toujours, qui a la structure qui dépasse à Pearl Harbor. Voilà. Et ici, la bataille du Cap Béveuzière. Béveuzière, je connais pas, je ne sais pas du tout, ça se trouve. Enfin, bref, à lire. Voilà. Et dans le prochain numéro, on va avoir le deuxième canon de la deuxième batterie de 150. Donc, batterie moyenne. Et avec la structure, la grosse structure de la cheminée. Parce que sur le Bismarck, apparemment, il n'y aurait qu'une seule et unique cheminée. Voilà. Bon bah écoutez, on va attaquer. Voilà, on va attaquer par quoi? Je pense que la coque c'est le plus simple. Donc là ici, voici notre coque et nos vis qui sont des vis AM. Donc là on va couper pour les vis. Voilà. Je sors mes vis AM. On va sortir, voilà, le morceau, et tout à l'heure on va venir donc venir se coller ici derrière quelque part, là ou là, de toute façon il y a des deux côtés après hein. Donc ça je le mets sur le côté, il vient de sonner 17h, tiens. Voilà, donc là coque, ça sur côté, voilà, les petites vis, les pousser un peu, et voilà, donc c'est cette partie là qui nous intéresse, donc celle-ci, vous voyez, elle a été mise la fois dernière, alors, toujours pareil, vous avez vu, toujours bien protégé. Si vous regardez bien, enfin, je sais pas si comme ça, moi je ne vois aucune griffe, aucun défaut de peinture. Ah, venez comme ça, rien. Voilà. Donc on vient se positionner ici dessous. Là,
la petite boîte d'huile. Quoi qu'ici, les trous sont taraudés, c'est pas comme sur la mountain. Hein. La mountain, il n'y a rien de taraudé, mais je mets quand même de l'huile. Voilà, alors je mets d'abord celle-ci. Et voilà. Voici donc pour notre coque inférieure droite. Donc maintenant nous allons passer à la partie collage. Je débarrasse un petit peu. Je reprends. Alors, partie collage. Donc voici donc. On aura besoin donc de ça. Ça, pas besoin. Je vais remettre. Et voilà. Donc, première chose à faire, on va détacher cet ensemble et faire pliure du la première du premier vassagage, la première embarbe. Donc on va déplier ça. Et alors, doucement. Voilà. Donc voilà notre pièce. Alors pour plier, moi j'utilise ça comme pince. C'est largement suffisant. Pourquoi en acheter une? Et la rambarde qui est là vient se redresser comme ça. Et là, il faut qu'on vienne rabattre les deux petits ergots qui vont venir se coller sur la structure. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Un peu flou. Hein. Voilà. Donc là, ce que j'ai plié, sont les deux petits ergots ici. Maintenant on va venir se positionner. Donc il faut venir la structure juste dans l'angle. Donc en l'occurrence c'est ici sur l'arrière ici. On va venir se positionner là. Et on a là-dessous alors est-ce que je peux vous les montrer là ici on a les deux petits trous pour les deux ergots qu'on a pliés. Alors on a demandé la colle. La colle que je me servais pour mes maquettes. Donc la colle que je me sers, c'est celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Je viens donc. Je me trompe pas de côté. Hein. C'est bien par rapport au plan sur l'arrière. Oui, c'est bien celui-là. Parce que comme on doit faire le côté, mais ce serait que l'autre numéro. Hop. Que vous le voyez comme ça. Voilà. Et juste là. Donc les deux ergots sont mis. Et en plus, n'hésitez pas à mettre un peu plus de colle. Là, ici. Alors maintenant, il y a deux petites pièces à mettre.
Maintenant, on va devoir venir installer. Alors, on a ces deux pièces à venir coller. Alors, il y en a une, celle-ci, qui vient se coller sur le bout et qui vient emprisonner cette grande pièce. Donc, celle-ci n'est pas collée. C'est juste la petite pièce là qui est collée avec les deux pointes et venir la coller sur la plateforme. Et j'ai oublié aussi de coller, avant toute chose, avant de faire ça, quoique non, la rambarde, je vais la mettre, il y a la rambarde à coller, voilà. Mais pour pas être gêné avec cette histoire de, on va dire, de structure, je crois que je vais mettre la rambarde en dernier. Alors on va déjà détacher ces deux pièces. Voilà une, voilà, et l'autre ici qui vient, ça c'est la pièce qui vient se coller. Alors attention, c'est très 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 fin, vous voyez, c'est vraiment fin de chez fin. Voilà, je vais essayer de le mettre sous le bout du doigt, je sais pas si, voilà. Que si je fais ça sur blanc, peut-être, voilà, et c'est vraiment pouf. Voilà, je vais mettre mes 4 yeux, là je vais être obligé réellement. Alors on va venir mettre un tout petit peu de colle dans la fente prévue. Pour la pièce, on va venir mettre cette petite pièce ça va être chaud, et voilà, mais je viens de la perdre. Non, allez là, ça va, cool. Oh. Voilà. En tous les cas, je peux vous dire une chose. C'est que c'est vraiment une très 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 grosse galère. Alors la rambarde, faut que je me plante. Je ne touche plus. Voilà. Je ne touche plus à rien. Et ça qui doit rester, vous voyez, pivotant. Bon, à tous les cas. Vous n'y êtes pas encore pour certains, mais quand vous y serez, je vous le dis tout de suite. Bon amusement. Voilà. Alors, sur ce, bah voilà, nous en avons donc terminé avec le numéro 60, les pioupiou, avec grosse galère. Si je vous dis que j'ai passé une heure dessus à m'énerver, à coller ces petites pièces. Bon, là, je vous mets pas la version longue, c'est strictement pas la peine. Sur ce, bah écoutez, pour ceux qui ne le sont pas encore, bah écoutez, ce que vous pouvez faire, c'est bah, vous abonner, le petit pouce bleu pour le like et la petite cloche, comme ça vous serez prévenu en temps et en heure dès que je mets une vidéo sur ma chaîne. Donc je vous dis à bientôt avec le numéro 61, portez-vous bien. Et faites pas trop de bêtises avec Halloween qui arrive. Ciao !